C'est Ahmed Diallo, je suis étudiant en deuxième année de thèse à la section d'anglais. Je suis un spécialiste de la littérature africaine. Je suis le président de l'Association des élèves étudiants musulmans du Sénégal. Vous avez organisé une conférence qui entre dans le cadre des Journées Portes Ouvertes. Quel est l'objectif de cette activité? Ces Journées Portes Ouvertes, c'est non seulement de montrer la présence de l'Association des élèves étudiants musulmans du Sénégal dans le milieu universitaire dans lequel nous opérons. Parce que quand même, il est parfois bon d'ouvrir quand même les portes, comme on a l'habitude de le dire, non seulement pour recevoir les étudiants, pour discuter avec les étudiants, mais pour faire comprendre également qu'est-ce que c'est que l'AMS pour les étudiants, pour les professionnels qui sont au niveau de l'université, d'une part. D'autre part également, c'est l'occasion de faire venir donc, nos frères et sœurs de Dakar, donc des autres régions, donc nos anciens qui ont eu à passer ici à Saint-Louis, donc sympathiser avec eux, montrer également notre disponibilité à la communauté étudiantine. Comment voyez-vous l'actualité de l'université? Bon, l'actualité de l'université, c'est une actualité marquée par une crise très profonde. On a eu à en discuter donc, lors du panel. On est revenu là-dessus dans plusieurs interventions, que ce soit au niveau de la mosquée, de l'université, que ce soit également dans d'autres instances. À Dakar, par exemple, on avait eu à tenir un point de presse pour montrer clairement quelle est la position de l'AMS par rapport à cette crise qui est en train aujourd'hui quand même, donc de perdurer et qu'il est urgent de trouver des solutions à cela. Donc nous sommes des personnes qui sont en train donc de chercher des solutions. C'est ce qu'on a dit au niveau du directorat, ce qu'on a dit dans d'autres instances, et cette conférence-là, c'était un pas pour quand même montrer notre volonté et notre engagement dans la quête de cette solution. Parce que pour nous, comme on a eu à le dire dans notre mot de bienvenue, l'éducation, c'est une chose, l'enseignement plus particulièrement, est une chose sacrée. Et que c'est une chose qu'il ne faut pas quand même prendre à la légère. Donc il faut consentir toute l'énergie nécessaire afin qu'on puisse avoir des lendemains meilleurs. Quelles sont les autres activités à venir? Les autres activités à venir, c'est que pour la nuit, nous avons une nuit culturelle. Donc c'est l'occasion également de revenir avec des chants de poésie, donc Génie en herbe, donc d'autres concours, des déclamations de poèmes, pour montrer que l'AMS, ce n'est pas seulement ce mouvement qui est recroquevillé dans les mosquées, mais c'est un mouvement qui appelle à un projet de société. Aujourd'hui, vous nous trouverez au niveau de l'UGB Verte en tant qu'acteur. Vous nous trouverez au niveau du centre médical en tant qu'acteur. Vous nous trouverez partout parce que nous faisons donc des causes de la communauté, donc nos priorités, pour montrer que l'islam a une vision globale des choses. Donc pour montrer que nous, aujourd'hui, nous devons travailler en parfaite harmonie avec notre milieu, pour essayer de faire comprendre aux gens notre orientation. Faudrait-il encore le souligner, beaucoup de personnes n'arrivent pas quand même à comprendre qu'est-ce que l'AMS. Et nous sommes convaincus que le jour où les gens s'en rendront compte, ils ne perdront pas du temps à nous ouvrir leurs portes et à venir sympathiser pour travailler avec nous. Donc, et ça, nous l'avons à travers des partenaires. Quel est le message que vous lancerez à l'endroit de la communauté étudiantine? Le message que je lancerai à la communauté étudiantine, c'est un message de paix, mais également un message d'espoir. Parce que pour nous, tout est possible dans cet univers-là. Il est vrai que les choses sont tellement dures, mais qu'au finish, je pense que c'est la communauté elle-même qui va en profiter. Les réformes qui ont été engagées, nous l'avons dit, nous l'avons fustigé la démarche par laquelle ces réformes-là sont en train d'être opérées. Parce que nous pensons que la concertation et la communication qu'il fallait pour que les étudiants et tous les acteurs puissent comprendre de fond manquent fondamentalement. Et c'est ces choses-là qu'il faudrait faire revenir au niveau du campus, établir le dialogue afin que tout le monde puisse comprendre quels sont les tenants et les aboutissants. C'est aberrant, comme on a l'habitude de le dire, d'entendre des gens dire que cette crise universitaire est une crise politique. À bien des égards, nous pouvons le comprendre, mais de manière beaucoup plus profonde. Je pense qu'aujourd'hui, nous devons aujourd'hui confronter la situation avec raisonnement, avec sagesse, avec objectivité et avec une scientificité très claire qui pourra nous conduire à une issue favorable.